vous allez? Il est 20h et c'est le kick-off de Sex and Sun, les gars. On est trop contents de vous retrouver, les sexolars. Alors j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont là. Je vois Zépé Kenyo, je vois Le Feu Brûle, PNO. PNO, toi t'es un habitué, hein, toujours au front. Et puis on a aussi, oui, je suis une licorne, en plus, qui nous propose un sujet. Et en plus avec Queenie, là, il y a vraiment genre 10 secondes, vraiment littéralement, on était là, genre on nous propose un sujet. Justement, comment tu vas, Queenie? Écoute, je vais super bien et moi je suis contente de vous retrouver. Je vois que vous êtes déjà nombreux à nous dire bonjour, donc bonjour à vous, les sexolars. Et comme Maxi l'a dit, on est dans Sex and Sun. Et si c'est la première fois que vous débarquez, Sex and Sun, c'est une émission où on parle de sexualité, de relationnel, on parle de toutes ces petites questions qui sont parfois un peu tabous, qu'on n'ose pas poser, que ça soit à notre famille ou à nos amis. Et ben ici, on peut se les poser entre nous. On a aussi notre experte Mary à tout prix. Je sais pas si elle est déjà connectée, mais en tout cas elle est à distance pour l'instant puisqu'elle s'est fait un bobo au pied, on va dire, et donc vous pouvez lui poser vos questions, vous nous balancez tout ça en commentaire, on en discute tous ensemble ici, il n'y a pas de tabou, donc n'hésitez pas, balancez-nous vraiment tout ce que vous pensez. Et justement, tant qu'on est dans le sujet du jour, moi je propose qu'on passe au prélit et qu'on vous parle de la question du jour. Je vois déjà ici, je me suis fait larguer ou c'est moi qui ai largué? Non, attends, je vais retrouver, désolé, j'ai perdu ton commentaire, je vais te le retrouver. Allez, retrouve-moi. Perso, c'est moi qui viens de larguer, c'est exactement ce que l'ODLB a dit, salut à toi. Mais c'est bien d'avoir ce point de vue-là, parce qu'en général, quand on parle de rupture, on est souvent du côté de la personne qui se fait larguer. Et c'est justement ça la question du jour, c'est pourquoi ça fait si mal quand on se fait larguer? As-tu des trucs et astuces pour rebondir? Tu nous balances tout ça en commentaire. Si vous savez, parfois, il y en a quand ils se font larguer, ben, ils changent de coupe de cheveux, ou alors ils se mettent à sortir. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités quand on a envie de passer à autre chose après une rupture. Vous nous balancez vos astuces à vous. Comment est-ce que vous avez fait pour rebondir des ruptures? Parce que je pense que tout le monde a déjà, enfin tout le monde, tous ceux qui sont déjà sortis avec quelqu'un, au moins deux personnes ont connu une rupture, que ce soit du côté de la personne du coup qui quitte ou de la personne qui se fait quitter. Alors balancez-nous tout ça en commentaire, on a envie d'en discuter ce soir. Et on sera là aussi avec Mary. Mary, je ne sais pas si elle est là. Est-ce que Marie est là? Je suis là. Marie, comment Hello tu vas? Hello girls. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va super bien. J'ai chaud. J'ai vraiment très chaud. Non, mais à part le fait que tu es chaud, ton pied là, qu'est-ce qui se passe avec ton pied? Mets-nous à jour. Ça va mieux? J'en peux plus. Ça va un petit peu mieux, mais ça guérit pas en fait. J'ai vraiment des problèmes. Je sais pas, bon, si nos sexolars se sont déjà fait une entorse, mais apparemment ça dure des semaines. Et je suis dans le cas, ça dure des semaines, je ne peux pas marcher. Moi, il y a un an tout pile, je me suis fait une entorse, Marie, une grosse entorse, donc je sais ce que c'est. Force à toi, ça fait mal. Et moi, franchement, même après la réparation, entre guillemets, de ma cheville, elle continue à craquer pendant des semaines. Je te laisse que je vais récupérer mon pied. Mais là, aujourd'hui, je l'ai récupéré. Donc rassure-toi, ça va craquer un peu, mais ça va se récupérer. On t'envoie des good vibes. Justement, Queenie, tu parlais de rupture tout à l'heure. Et il n'y a pas que nous, les gens de la vie de tous les jours, entre guillemets, qui peuvent vivre des ruptures. Ça se passe aussi du côté d'Hollywood. Et les stars aussi, elles se font larguer. Mais ouais, t'imagines rien à se faire larguer. Les thunes, ça fait pas tout. Les thunes, ça fait pas tout. Et en 2019, il y a eu quelques ruptures, comme par exemple Zayn Malik et Gigi Hadid, qui sont été ensemble pendant deux ans. Vrai. Mais là, ils sont remis ensemble. Là, c'était en 2019. Ah, ils sont séparés, ils sont remis ensemble. Et guess what? Ils attendent un bébé. Oh, so oui, cute. Oui, la nouvelle. Tu sais, je viens d'apprendre que Sophie, enfin celle de Game of Thrones, tu vois, celle qui joue le rôle de Sansa. J'ai oublié son nom. Elle sortait avec. Qui a coupé cheveux courts là? Non, celle qui est rousse avec des longs cheveux, elle sortait avec un gars des Jonas Brothers et ils étaient ensemble, ils s'étaient mariés et tout, et là ils viennent de se séparer alors que c'était un couple genre tout le monde kiffait, ouais, un couple un peu phare et tout, et là je viens d'apprendre qu'ils viennent de se quitter, j'étais là, ah, pourquoi comme ça? Il y a aussi Miley Cyrus et son mari Chris Hemsworth qui sont aussi séparés, donc ils étaient mariés pendant genre, ils sont mariés en façon éclair, un peu en secret et tout, petite cérémonie discrète, et là ils sont séparés, donc le mariage va même pas durer, je crois même pas un an c'est trop, et là ils ont déjà divorcé. Et puis on a aussi la fameuse affaire de 2019, Chloé et Tristan, son baby daddy, voilà, eux aussi ils sont séparés, remis ensemble. Là il y a des rumeurs comme quoi ils sont prêts à refaire un bébé ensemble. Ouais, elle lui a même demandé de lui donner
son sperme, comme ça la petite chou aura les mêmes gènes que le deuxième enfant, le bébé éprouvette. On va voir si ça va être comme ça ou pas, mais voilà, tout le monde peut passer par une rupture, c'est par ça une le rupture, message. Bah oui, ça, même Kim Kardashian, elle en a eu des ruptures. Hein. Elle n'était pas restée mariée pendant juste 4 semaines avec un gars. 72 jours. 72 jours, mariage de 72 jours. 72 jours. Elle avait même perdu la bague et elle pleurait dans un épisode de Kardashian. Ça n'a rien à voir. Ça... Oh là là. C'est une parenthèse très très rapide. En gros, c'est juste un épisode. Elle a fait tomber ses boucles d'oreilles en diamant. Voilà, moi j'ai du toc. Kim, elle avait des trucs à 75 000 $. Elle les a fait tomber à Bora Bora et elle a commencé à pleurer. Ah, voilà, ça c'est Kim, elle aime pleurer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du côté des commentaires? Alors, on nous dit ça vient de débuter ou c'est fini? Ben, l'émission, elle vient de commencer, les gars. Donc, n'hésitez pas. Hein, on n'a pas encore entamé le vif du sujet, mais on va y arriver très bientôt. Ben, on peut rappeler la question, tiens. Bien sûr, la question... tu veux la rappeler? Tu peux la rappeler. Bon, allez, allons-y. La question du jour, c'est pourquoi est-ce que ça fait si mal quand on se fait larguer? Quelles sont les astuces que tu peux avoir pour te remettre d'une rupture? Vous nous balancez tout ça en commentaire. Vous pouvez même témoigner, nous dire, ben voilà, moi, je me suis fait larguer. Je l'ai vécu comme ça, ou j'ai largué quelqu'un et je l'ai vécu comme ça. Vous nous balancez tout ça en commentaire. On en discute. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On a aussi notre experte en coquinerie en tout genre qui est à distance, mais qui est là parmi nous, Marie. Donc posez toutes vos questions. N'hésitez surtout pas. Alors, comment je vais faire pour trouver un homme en un an? Je suis trans, intersexe, malgré avoir un pénis. Ça, c'était le sujet de la semaine dernière. Il faut savoir que cette émission, on va avoir une partie 2 à la rentrée. Donc, ces questions, ce seront des questions qu'on va aborder très bientôt. Ne t'inquiète pas, Adeline. C'est vraiment des choses qu'on va essayer d'aborder d'ici le mois de septembre ou dans le courant de l'année. Et on fera une émission spéciale là-dessus. Ne t'inquiète surtout pas. T'as vu le commentaire de Dodo? Non, j'ai pas vu le commentaire de Dodo. Dodo qui dit « Contre la peine, deux bonnes amies, ça aide. » C'est vrai qu'être entouré d'amis qui peuvent te faire sortir de ce système de pensée, parce que ça va très vite, c'est une roue, tu vois, tu vas bien, t'es triste, puis tu penses que ça va, puis tu repars encore plus deep, puis tu aides tout le monde, et puis ça va, tu redeviens positive. Mais voilà, si t'as un bon écosystème autour de toi, des amis qui peuvent t'aider à penser à autre chose, c'est bien. Mais le truc aussi, peut-être qu'on va sûrement en parler tout à l'heure, en fait, c'est souvent on veut être entouré de personnes pour pas être tout seul, mais le fait d'être tout seul, il n'y a rien de mal, en fait. Je trouve que c'est bénéfique, c'est enrichissant, tu travailles sur toi, même si c'est pas toujours facile, je le comprends. Mm-hmm. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu viens de te faire quitter, tu passes d'une période où tu passes par un grand moment de solitude parce que tu étais habitué à être avec quelqu'un, etc. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il conseille d'être entouré, parce que c'est vrai que de temps en temps c'est bien, de comme tu l'as dit, de se retrouver avec soi-même et de travailler sur soi. Mais quand tu viens de te faire quitter, t'as tellement ce sentiment de solitude que t'as besoin d'être entouré, t'as besoin d'avoir des potes, t'as besoin d'avoir ta famille, etc., pour pouvoir rebondir, justement, moi je pense, en tout cas. Alors du côté des commentaires, c'est tous les combien de temps l'émission, car ça a l'air intéressant. Ben, on est là tous les dimanches de 20h à 21h, on discute de tous ces sujets, hein, comme on l'a dit dans Sex & Son, que ça soit sexuel, relationnel, toutes ces questions un peu taboues dont on n'ose pas toujours parler avec notre entourage. Ici, on se les pose sans aucun tabou. Donc, si vous avez des questions, le sujet du jour, je le rappelle, ce sont les ruptures, et on vous demande pourquoi est-ce que ça fait aussi mal quand on se fait quitter. Quelles sont les astuces pour rebondir? Vous nous balancez tout ça en commentaire. Et, j'en vois pas mal. Hein, ah ouais, y a Chirou, je sais pas si t'as vu le commentaire de Chirou. Vas-y, il y en a plusieurs, mais je te laisse commencer avec Chirou. Il y a Chirou qui dit « Mago m'a larguée, enceinte de moi. Après, faut s'occuper pour pas y penser. » Et effectivement, être entouré. Donc, tu vois, hein, et toi, t'en as vu d'autres, Maxime? Bobby Valentino, hey j'espère que tu chantes aussi bien, qui a dit « T'as besoin de manger ». C'est vrai qu'il faut manger. D'ailleurs, je vais revenir sur ça parce que j'ai une expérience personnelle qui est assez liée à ça. Tu manges pas parce que tu ne penses qu'à ça, et du coup ça te bouffe, quoi. Mm-hmm. Et ça, c'est très dangereux, c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a Icy The Vision qui dit « J'ai jamais été en couple, mais j'imagine que des deux côtés, c'est cool d'être bien entouré. » Ça, c'est la vérité. Un peu de love, ça fait toujours du bien. Et j'ai une question pour vous, les sexolars, et même les filles, rapidement, avant qu'on passe à la suite. C'est, vous voyez, des fois, les gens ils vont à des rendez-vous de rupture. Ok, ça c'est une chose. Mais quand il va au rendez-vous de rupture, là en question, tu te mets en bombe, en mode je veux que ce soit ça la dernière image que tu vois. Mais c'est moi. Obligé Est-ce d'être que... en bombe. Attends, tu réponds déjà, Kuni, je me tournerai vers toi en premier, je te promets, parce que je sens que t'es chaud. Mais est-ce que ça marche? Vous pensez que ça marche ou c'est des bêtises? Et même Marie, j'ai envie d'avoir ton avis après dessus. Mais Kuni, pourquoi est-ce que c'est important de se mettre en bombe, tout ce que tu veux, au dernier rendez-vous de rupture? C'est important parce que c'est comme tu disais,
idée la dernière image que tu vas laisser à la personne. Et moi, j'ai pas, enfin, toi, si par exemple, je vais à un rendez-vous de rupture, j'ai pas envie que le gars qui va me quitter, par exemple, il va se dire, de toute façon, toi, tu arrives en training avec une morve qui débarque, qui dégouline, il va se dire, ouais, mais c'est quoi cette meuf? Alors que si t'arrives en mode, il va se dire, ah, je la quitte, mais elle était fraîche quand même, tu vois. Moi, je veux qu'il se dise ça, tu vois, elle était fraîche quand même. Tu veux qu'il s'en morde les doigts, en fait. Qu'il s'en morde un peu les doigts, complètement. Et Marie, t'es plus de quel côté? Toi, tu te situes où par rapport à ça? Moi, je trouve surtout qu'il faut se demander la question, pourquoi est-ce que je vais être en bombe? Pourquoi est-ce que je vais être belle pour lui? Est-ce que c'est pour le récupérer? Ou est-ce que c'est pour lui dire une bonne fois au revoir pour toutes? Moi, je dis, il faut toujours pouvoir se présenter sous son meilleur jour, mais il y a des gens, c'est vrai que quand tu leur dis « je vais te quitter », t'as même pas la force de t'habiller, t'as même pas la force de te maquiller, d'aller jusque-là pour qu'ils disent « ouais, vraiment, en fait, j'ai envie de partir, j'ai plus de sentiments, ou j'ai envie qu'on arrête ». C'est très, très dur d'entendre pour certaines personnes, et il y a des gens qui ne veulent même pas rencontrer les gens en face à face, quoi. Donc ça peut être dur. Mais je serai du côté où il faut quand même te préparer. Moi, je me préparais. Non, mais moi aussi. Non, moi aussi, je vais pas être hypocrite. Je vais me préparer. Je vais me dire, OK, je veux que ce soit ça que tu vois en dernier. En mode, je vais pas te montrer que si ça. Mais est-ce que c'est si efficace que ça? Il y a Aniel qui se pose la question de un rendez-vous de rupture. Ben, c'est en mode le dernier rendez-vous. Ben oui. Là. Mais moi, ça m'est arrivé, tu sais. Il y a un gars avec qui je sortais un jour qui m'a envoyé le fameux SMS « Faut qu'on parle ». Quand on t'envoie ce message, tu sais déjà qu'it's over. Non, tu vois, ça pue la rupture à 300. Franchement, c'est le genre de message qui pue la rupture. Et donc, quand on a dit qu'on allait se voir pour discuter, je savais que j'allais à un rendez-vous de rupture. Donc forcément, je me suis mis en bombe. J'ai dit « Je crois que tu vas me quitter en mode moche. Tu vas bien regretter. » Alors, il est 20h12. S'il y en a qui viennent de nous rejoindre dans ce live, bienvenue dans Sex and Son. On est là tous les dimanches de 20h à 21h. Et en gros, on parle de tout ce qui est sexo, la confiance en soi, les relations amoureuse. Et ce soir, le thème, c'est les ruptures amoureuses. Et on te pose la question, pourquoi est-ce que c'est si douloureux quand on se fait larguer? Et quelles sont les choses, les astuces, les trucs qui peuvent faire que tu vas bounce back, tu vas mieux te sentir après? Si t'en as, si t'as des anecdotes, des idées, des trucs à raconter, balance dans les commentaires et on va en lire. Justement, en parlant de ça, il y a Lloyd qui dit, il faut s'occuper et trouver une passion qui permet d'oublier la rupture. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui se mettent à faire du sport et qui se disent, au début, c'est parce que j'avais une rupture. Et après, ils trouvent vraiment un truc parce qu'ils libèrent des énergies, des ondes, je sais pas. T'as Alison Sweetie ici qui dit « Perso, j'avais tendance à associer bonheur et relations amoureuses. Pour moi, ça allait de pair et j'avais peur d'être seule. Alors que non, au contraire, j'ai appris à être heureuse seule, sans homme. » Et je pense que ça, c'est la clé, vraiment, tu vois, d'apprendre d'abord à être heureux quand on est seul. Parce que si t'arrives pas à être heureux quand toi-même t'es seule, à quel moment tu vas pouvoir être heureux avec quelqu'un? Et ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont cette sensation qu'ils sont toujours malheureux quand ils sont tout seuls. Et c'est pour ça qu'en général, les relations, elles vont foirer. Parce que si tu n'es pas heureux avec toi-même, il n'y a personne qui va réussir à être heureux avec toi, je pense. Ça, c'est une des clés. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. En plus, c'était surtout ça que je voulais dire tout à l'heure en disant qu'il n'y a rien de mal à être seul. C'est vraiment ça, quoi. Redécouvre-toi en tant que personne toute seule, apprends à t'aimer et ça va faire du bien. Juste avant qu'on passe à la suite, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, j'aimerais juste qu'on réponde tout ensemble, même tous ensemble, à la question de Govar qui dit « Est-ce que c'est bien de brûler les cadeaux ?» Moi, ça m'a fait du bien. Moi, j'ai tout gardé. Elle a gardé les cadeaux. Ben moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas forcément les cadeaux, mais c'était. Mais c'est quand j'étais plus jeune, c'est le genre de rupture que t'as quand t'as 16 ans, tu vois. Et donc, du coup, j'ai brûlé les photos de nous, tous les petits souvenirs, tous les trucs. J'ai fait un petit feu dans le jardin avec ma meilleure amie. On était là, connard. Je sais brûler. J'ai tout brûlé. Et sur le coup, ça m'a fait du bien. Mais en fait, c'était plus marrant et c'était plus. Tu sais, t'avais cette sensation un peu. Tu vois ça dans un film et tu dis, ouais, moi aussi, je vais le faire, moi aussi, je vais brûler. Et c'est ça que j'ai eu comme sensation. Je sais pas, pour toi, Marie, tu penses brûler les choses, c'est une bonne idée? Moi, j'ai tout gardé. J'ai tout gardé, les t-shirts, pourquoi tu vas jeter quelque chose qui est joli? Non, mais vraiment, les gars, on parle de recycler, l'écologie, garder. Alors, non, franchement, mais tu sais, moi, quand c'est fini avec quelqu'un, c'est vraiment fini. C'est vrai qu'il y a une période de deuil, etc. Mais les objets, pour moi, c'est des objets qui sont à moi, qu'on m'a offert, et je garde. Il n'y a pas de problème dans mes autres relations quand ils savent que c'est des cadeaux
de mes précédentes relations, et c'est à un moi. Un peu de sel sur Marie, oui, merci, on est d'accord. J'espère que vous êtes team Marie et Maxi. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Il y a des pyromanes de l'autre côté. Si vous êtes pyromane, déclarez-vous maintenant dans les commentaires. On va tout brûler. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Moi, je garde, nous dit Abby. Alison Sutty qui dit « Moi, je garde aussi ». Je suis d'accord que je trouve que l'être humain a un réel besoin d'être accompagné, donc c'est dur d'être seul. Ben oui, chacun... Mais bon, il faut savoir aussi pouvoir être tout seul pour pouvoir être bien avec quelqu'un, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Il faut trouver une passion et s'accrocher avec. C'est vrai que quand tu trouves une occupation, ben, ça te permet de penser à autre chose. Vous avez continué à nous donner vos astuces et pour l'instant, on va passer au chat. Chat. Qu'est-ce que la... Ah, ma roulette n'est pas là. Bon, on va commencer le chat sans la roulette. On va commencer le chat sans ma roulette. Je suis un peu triste. Et on vous a posé la question sur YouTube. Sur YouTube, on vous a demandé 17% des millennials américains découvrent qu'ils se sont fait quitter. Soit réponse A, avec un changement de statut sur les réseaux sociaux. Réponse B, avec un SMS bien froid. Réponse C, avec un rendez-vous de rupture. On en parlait de ce fameux rendez-vous de rupture. Ou réponse D, via des amis. Alors, il y a eu un maximum de réponses pour un SMS bien froid. Maxi, est-ce que tu penses que c'est ça? J'aurais dit ça. Et ouais, j'aurais dit ça. En vrai, j'aurais dit ça. Et Marie, toi, tu penses que c'est ça ? 17% des millennials américains découvrent qu'ils se sont fait quitter soit via un changement de statut sur les réseaux sociaux, un SMS bien froid, un rendez-vous de rupture ou alors via des amis. Marie, toi, t'aurais dit quoi, toi ? Ah non, mais c'est dur comme question. Mais ouais, je dirais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu as raison. Ouais. Tu as raison, c'est avec un changement de statut sur les réseaux sociaux. Donc un jour, tu te connectes sur Facebook et tu vois que ton gars, il est passé de en couple à célibataire. Tu fais « Ah, ok ah, !» Nous avons un problème, c'est juste ça. Je pense que... Il y a un petit problème, bon, discuter. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que c'était un SMS bien froid. Je pense que c'est 54% des réponses qui avaient été votées pour le SMS bien froid. Mais il y a aussi trompé. Des teams Marie, hein, merci. On garde les cadeaux. Et donc voilà, alors Bobby Valentino nous dit réponse B. Tu vois, encore beaucoup de gens qui pensent que c'est le SMS bien froid. Et heureusement, enfin malheureusement, c'est pas ça. Parce que je préfère un SMS bien froid qu'un changement de statut sur les réseaux sociaux, je pense, quand même, à choisir. C'est quand même là, c'est une humiliation. Oui, c'est là. Tu ne sais pas, tu te dis, bon, on ne m'a pas dit, mais il a parlé de ça à tous les contacts sur Facebook. What the fuck? Ça, c'est un truc, c'est trop horrible. C'est trop, trop horrible. Alors, Maxi, elle est aussi sortie dans la street. Elle a été posée quelques petites questions sur les ruptures dans la rue. Elle a eu pas mal de réponses. Est-ce qu'on peut nous balancer l'extrait, là ? À ton avis, quelle est la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles les gens se séparent ? Je pense qu'il y a beaucoup de choix et que les gens ne se battent plus pour leur couple. Selon moi, c'est le manque de confiance. Pendant les périodes ainsi, quand il fait beau et tout ça, on voit beaucoup de choses et les réseaux sociaux aussi. Ah, donc l'été, toi, tu deviens fragile. Non. Non, je dis pas ça, mais en été, la libido, enfin c'est scientifiquement prouvé à ce qu'il paraît, je sais pas si c'est vrai, mais la libido est augmentée, donc du coup ça veut dire que les gens sont plus chauds. L'incompréhension, l'incompatibilité, on se rend compte, au début on pense qu'on a les points en commun, que tout va bien, et au fur et à mesure que tu apprends vraiment à connaître la personne, je pense que la réalité te frappe et c'est là que tu te dis, bon, c'est mieux d'arrêter ça, quoi. Qu'il y a une mauvaise entente dans le couple, que t'es cogné ta meuf, ou je sais pas, c'est peut-être au niveau du sexe, ça va pas, ça peut être au niveau de la vie quotidienne, c'est vaste, mais une mésentente pour moi. Selon toi, quelle est la pire manière de rompre avec quelqu'un ? J'allais dire par message, mais il y a des années, il y a un gars qui me fait « Tu connais la chanson ?»« Je ne t'aime plus, mon amour. » Et ben voilà. Oh. La pauvre, ça c'est hard. Qu'est-ce que tu dis pour la paix ? C'est pas ta faute, c'est ma faute. C'est un peu pareil, mais en mode, j'essaie de garder une relation amitié après. Mais... Écoute, je t'aime beaucoup, mais j'ai pas envie de te perdre, entre guillemets. Restons amis, on vient qu'on se continue à se parler, et au fil du temps, ça va se dissiper, quoi. Ah ! C'est pas de ta faute, c'est la mienne. Ça, c'est la pire. Moi, je pense que ça, c'est la pire manière, puisque t'es là. Arrête de dire c'est pas de ta faute, c'est la mienne. Bien sûr, c'est ta faute, c'est toi, t'es en train de me quitter. Ça t'énerve, en fait. C'est même pas. C'est il énervant. Essaye de t'amadouer, mais l'effet, il est juste contraire. Ça m'énerve. Arrête de trop énervant. En plus, elle a dit non, j'envoie le message. Après, j'attends que ça s'apaise. J'attends que ça.
Et les gens, vous êtes incroyables. Bruh. Alors, dans les commentaires ici, on a Aïe petit. Enfin, tu corrige-moi, désolé si j'écorche, qui dit: je me suis fait larguer le soir de mon anniversaire et franchement, ça m'a anéanti. J'ai pu remonter la pente et m'occuper de moi-même. Et aujourd'hui, mon ex m'a dit une fois: quel abruti que j'ai. Attends, est-ce que tu as fini ton commentaire? Quel abruti que je suis, jusqu'à dire mon nouveau garde-la. Tu sais que ça m'est arrivé aussi de me faire larguer le soir de mon anniversaire. Bien, désolée, hein, j'ai pas très bien saisi, Queenie, tu veux bien. Non, mais hi petit, franchement, je te comprends. Je me suis déjà fait larguer le soir de mon anniversaire, mais moi, attends, c'est je vais. Oui, c'est surtout that part. Je vais résumer un peu la petite histoire. Je sortais avec un gars, et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai eu une petite histoire, une petite amourette, on va dire, avec le frère de ma meilleure amie. Et comme je suis née le même jour que sa sœur, eh ben, on fêtait toujours notre anniversaire ensemble, soit de chez moi, soit de chez elle. Et cette année-là, c'était chez elle et j'avais ramené mon petit copain à l'époque. Et le frère de ma meilleure amie, je sais pas, il était bourré, il a commencé à lui dire: ouais, tu sais pas, toi, ta meuf, tu crois qu'elle est avec toi, mais elle est tout le temps ici, c'est mon ex, nana. Et le gars, il était tellement vénère en fait qu'il m'a quitté, tu vois, le soir de mon anniversaire et j'étais en pleurs comme ça. Franchement, cet anniversaire, je l'oublierai jamais. Il y a de quoi marquer. Hein. Si jamais il y en a qui viennent de débarquer, les gars, on parle de rupture amoureuse. Vous êtes dans Sex and Sun. La question de ce soir, c'est: pourquoi est-ce que ça fait si mal quand on se fait larguer? Mais comment s'en remettre? Comment en guérir? Si tu as des astuces, des anecdotes, des témoignages, mets tout dans les commentaires et on va en lire. On va continuer avec, justement, il y a les marches de l'empereur qui rigolent de la question en disant: lol, c'était pas la bonne. Il y en a plein d'autres. Eh ben ici, tu as vu, il y a Karam qui dit: je devais me marier en Belgique, mais arrivé à la gare du Midi, je me suis rendu compte que mon ex m'a bloqué de partout. Oh, donc tu arrives pour ton mariage, tu prends ton train et tout pour venir te marier. Ça, c'est chaud. Et comment t'as réagi, Karam? N'hésite pas à nous dire dans les commentaires comment, c'est quoi la suite. Est-ce que t'as essayé de rentrer en contact avec elle ou pas? Raconte-nous, parce que moi, franchement, cette histoire, elle m'intéresse. Alors, il y a Bobby Valentino qui dit miskine avec une petite larme. Ouais, c'était dur. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi ça fait mal quand on se fait larguer et comment réagir? C'était pas la bonne. Il y en a plein d'autres. Bah oui, écoute. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Est-ce que tu vois des commentaires, Maxi? Oui, les marges de l'empereur qui redit encore, mieux vaut être seul que mal accompagné. Puis il y a Karen qui dit: moi je trouve c'est juste le temps, je trouve. Mais quand tu parles de c'est juste le temps, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux redétailler, comme ça on va relire ça? Et puis Marie, une question pour toi de Thaï Ellie, puis on va passer à la suite, qui demande: est-ce que c'est vrai qu'on peut en devenir malade? On peut tout à fait devenir malade d'une rupture, parce que la rupture, ça fait mal. C'est une douleur psychique et mentale qui est autant douloureuse qu'une douleur physique. Donc voilà, quand quelqu'un vous dit « c'est bon, tu vas t'en remettre, arrête de pleurer, etc. » Non, il faut savoir que ta douleur, elle est légitime. C'est tout à fait normal d'avoir mal et tu dois passer par certaines étapes pour guérir. Donc c'est tout à fait normal. Génial, alors, merci. Maxi, Instagram a parlé, non? Évidemment, comme toutes les semaines, vous savez, on vous met des petites stories sur l'Instagram de Tarmac. Alors, on vous a demandé déjà pour commencer, les circuits cérébraux impliqués lorsqu'on tombe amoureux sont les mêmes que ceux liés à? Et il y avait plusieurs réponses. Et la bonne réponse était aux addictions. Donc, félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Ensuite, on a eu une autre story où on avait demandé quelle est la pire manière dont tu t'es fait larguer. Beaucoup, beaucoup de réponses. Merci à vous, les sexolards. Alors, il y a eu: je me suis fait ghoster et au bout d'une semaine, il m'a avoué qu'il était quelqu'un d'autre. Il y a par SMS, moi au Canada, lui en France. On m'a quitté pour une autre et l'autre s'est fait quitter pour une autre. Ah, ça bien fait. Le karma peut-être. Juste un retour des choses. Il m'a fait croire qu'il avait mis une fille enceinte, puis il m'a quitté par SMS. Mais I non. was young. En gros, elle était jeune, c'est ça que ça veut dire. Oh. Mm-hmm. Tu sais à quoi ça me fait penser? Parce que tu vois, je ne sais pas si tu avais vu le scandale avec l'ex de Niska, sa baby mama, etc. Eh ben, il avait fait la même chose. Comme sa baby mama, elle continue à lui envoyer des messages et tout. Il lui a dit qu'Aya Nakamura était enceinte, alors que normalement, ce n'était pas vrai. Et c'est comme ça. C'est vrai, c'est vraiment pas du gossip. Okay. Non, c'est pas du gossip. Ça s'est vraiment passé. Il lui a dit, puisque elle avait affiché, tu sais bien, moi j'étais une fouine, j'avais été la rajouter sur Insta, et elle avait affiché la conversation avec Aya Nakamura qu'elle avait eue, etc. Oui, où elle disait que elle était enceinte, etc. Ça donc, me rappelle quelque chose. Donc, comme quoi, tu vois, les histoires des stars sont parfois les mêmes que les histoires de nous, les gens lambda, comme ça me fait rire. Et encore, donc, un dernier truc à lire par rapport, quelle est la pire manière dont tu te fais larguer. Il y a: écoute, en fait, avant toi, j'étais
j'étais bi, mais maintenant, grâce à toi, je sais que je suis gay. Oh. That's horrible. Ah, pour ça, ça quelqu'un, fait mal. C'est, ça fait vraiment si mal. Si tu t'es trouvé, c'est bien, mais comment tu l'as quitté, c'est pas la problème. Manière de le dire, c'est ah, méchant. Ah ouais, ça craint. Et la troisième story qu'on vous a posée, ça c'est marrant, c'est jeu de rôle. Donc on a mis un petit SMS qui disait « J'ai beaucoup réfléchi à nous deux et je ne peux plus continuer à faire semblant. Il faut qu'on parle. » Et vous savez bien que ce genre d'SMS, ça pue la rupture à 300 km, tu vois. Alors, on vous a demandé de répondre à ce SMS et il y a eu « Accouche, parlons, je t'écoute, je t'appelle maintenant. » Il y a « D'accord, on peut se voir demain, mais en face-to-face obligé, comme ça la personne ne peut pas fuir. » Il y a eu « Faire semblant de, viens, on parle maintenant. » Ah. Et oui, il y a eu « J'ai pas le temps, renvoie-moi le SMS quand j'aurai trouvé mieux. » Non. Bisous. Ah, les gens sont méchants parfois. Franchement, moi, je pense que tu peux quitter quelqu'un, mais il y a des manières de faire. Toi, tu vas briser. Moi, franchement, si tu me quittes comme ça, je suis brisée. Après, je veux plus m'en remettre. De ouf. Mais il y a eu tellement de façons de quitter. Il y en a eu tellement. Vous avez, les gars, vous avez fait trop rire. Mais merci pour vos réponses. Et t'as vu, il y a Karam qui a raconté la suite de l'histoire. Il dit, j'ai passé la journée et la nuit à la gare. Je n'arrêtais pas de la contacter via les numéros de tous les passants de la gare. C'est trop triste. Oh. Franchement, force à toi. J'espère que tu t'en es remis depuis. Et n'hésite pas à nous dire comment est-ce que tu as fait pour guérir de cette rupture, parce que c'est assez violent, je trouve, de se faire quitter comme ça quand tu arrives pour te marier. Donc n'hésite pas à nous dire comment est-ce que tu as fait pour passer au-dessus, pour te remettre, parce que j'imagine, enfin en tout cas j'espère qu'aujourd'hui tu vas mieux et que tu t'es remis de cette rupture, mais dis-nous tout, comment ça s'est passé. Il y a Karen qui dit, elle disait juste par rapport au temps, que c'est le temps qui soigne les blessures. C'est vrai que le temps finit toujours par soigner les blessures, ça je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on nous dit encore franchement pour guérir... Ah attends, voilà, franchement pour guérir une rupture, les personnes, de ce que j'ai vu, y compris moi, ont toujours tendance à essayer de remplacer la personne, etc. Mais justement, il faut essayer de s'habituer à vivre. À mon avis, tu voulais dire seul parce que tu n'as pas terminé. Qu'est-ce que vous pensez, vous les filles, du fait de se mettre avec quelqu'un d'autre pour oublier l'autre? Moi, je trouve que ça marche totalement. Mais bon, mais le problème, c'est qu'en général, cette personne est un peu une relation tremplin, j'ai envie de dire. Bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est court terme, mais que tu ne calcules pas bien. Oui, alors, mais ça fait du bien. Ça fait du bien pour oublier l'autre. What about la partie où tu disais que il faut se concentrer tout seul. I know, you know. En fait, j'ai envie de dire, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors, si vous êtes du même avis, Queenie, ça... mettez-le. Oui, Marie ? Non, j'allais dire que Queenie, c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que d'après une étude, c'est les hommes qui ont plus recours à cette technique de se mettre avec un ou une autre partenaire après une relation. Ils font plus ça que les femmes. Mais on parle de one night stand ou on parle de relation quand même. Que ce soit de one night stand ou de relation, ils ont plus facile à se remettre en relation. Ils se mettent plus vite en relation que les femmes. Ok, nice. Alors Marie, on va passer au premier point Q. On parle de rupture. La rupture, ça a l'air simple, facile comme ça quand on dit, mais comment bien se quitter? Parce que t'as vu, il y a des gens, il y a des sexelards là, ils ont raconté des histoires chaudes. Hein. Comment bien faire pour se quitter? Comment bien se quitter plutôt? Le français, c'est difficile, parfois. Non, c'est trop dur. On a lu vos histoires, on était vraiment heartbroken. C'était très chaud. Comment bien se quitter et nous, j'imagine qu'on va vous raconter durant l'émission des histoires de comment on s'est fait mal quitter. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est une rupture. Une rupture, c'est vraiment rompre avec la personne avec qui tu partageais une relation. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment bien rompre avec la personne, comment bien arrêter cette relation. Et en plus, si tu te retrouves de l'autre côté, que tu es la personne qui s'est fait larguer, des fois, tu ne sais pas très bien comment recevoir le message. Donc aujourd'hui, j'ai quelques tips à vous donner pour bien rompre, pour bien se quitter. Donc déjà, il faut accepter que la rupture, elle va être douloureuse. Ça, c'est un truc qu'il faut te dire. Voilà, je vais rompre avec quelqu'un. Ça peut être douloureux. Il y a de grandes chances. Certaines fois, tu romps avec quelqu'un et comme vous savez tous les deux que ça peut pas marcher, c'est plus quelque chose qui t'apporte de la joie qu'autre chose. Il faut être attentionné à ne pas insulter la personne. Hein, on connaît très bien que ça peut mal se passer dans une rupture. Donc, être respectueux, essayer de rester calme, sans agressivité, pas d'insultes. Il faut essayer d'expliquer clairement pourquoi on veut arrêter cette relation. Dans le micro-trottoir, tout à l'heure, on a entendu un gars qui disait « Je t'aime encore, c'est pas de ta faute, mais je vais arrêter, arrêter la relation. » Ça, c'est pas nous, tu n'as pas à dire, parce que bon, tu m'aimes encore, tu veux arrêter la relation, je ne comprends pas très bien. Et donc, tu mets une sorte de flou, de vague chez ton ou ta partenaire, et puis elle va se dire « Bon,
c'est fini, mais je peux quand même le récupérer. C'est fini, mais même quand même. Donc, je vais rester dans cette situation où je ne sais pas très bien où me mettre. Et ça, il faut absolument éviter. Il faut éviter les phrases comme c'est pas toi, c'est moi. Ça veut absolument rien dire. Et le gars du chat, là. Et, c'est pas toi, c'est si moi. Si tu regardes ce soir, vraiment, t'as vu hein, la feinte que c'est toi, enfoiré. C'est vraiment pas les bons avis parce que c'est pas toi, c'est moi, voilà, ben, écoute, explique-moi vraiment ce qui s'est passé, explique-moi pourquoi tu veux partir de cette relation. Et en expliquant pourquoi, il faut aussi ne pas faire mal à la personne en lui disant j'ai pris envie de toi, le sexe ne marche plus. Ça peut être une des raisons, mais il y a une raison plus profonde que ça. Il y a des moyens de casser avec une personne sans lui donner toutes ces mauvaises raisons, sans la rendre responsable de tout ça, parce qu'une relation, c'est deux personnes en relation. Et donc, la plupart du temps, vous avez chacun une responsabilité dans la rupture. Il faut aussi se rendre compte de ça. Et le plus important, c'est qu'après avoir cassé, il faut essayer de prendre ses distances. C'est vrai que si tu as eu une relation avec quelqu'un pendant des années et des années, vous êtes habitué à être ensemble, ça va être compliqué. En faisant les recherches, même les chercheurs ont découvert que l'amour, en fait, le sentiment amoureux, il est relié aussi, enfin, il allume les mêmes zones du cerveau que l'addiction. Donc, tu peux être vraiment addict à l'amour, addict à ton ou ta partenaire, et c'est hyper important à faire le deuil, à faire une période de sevrage, en fait, de sevrage. Donc, il faut essayer de prendre des distances, et peut-être après un moment, si tu es capable de le faire, de reconnecter avec la personne pour rester amie, pour rester en contact, etc. Mais je pense que cette période de deuil où tu restes seule, elle est importante. C'est ça, et tu fais bien de le dire, parce que quand on parle souvent de peine émotionnelle, on oublie des fois la partie physique, parce que des fois tu peux avoir la perte de sommeil, tu peux avoir l'anxiété, la perte de... T'as moins faim, tu ressens une douleur dans la poitrine. Et justement, il y a Psychological Science qui a mis une étude en avant qui montre que justement, quand tu vis une rupture qui est très brute et à laquelle tu ne t'attendais pas, en fait, ton pouls, il est beaucoup plus lent. Donc, tu as vraiment physique et le mental, c'est très intimement relié. Et aussi, tu peux aussi perdre tes cheveux. Et ça s'appelle, attendez, je vais vous le dire parce que c'est un mot quand même, télogène, effluve télogène. Et là, c'est le fait que tu perds tes cheveux à cause des hormones. Et c'est quelque chose que les femmes qui accouchent peuvent parfois connaître. Et aussi, on peut se demander, allez, tu peux te poser 1000 questions, te dire, mais pourquoi est-ce qu'on m'a plaqué? Pourquoi? Et tu peux refaire le monde comme ça. Et selon l'université de Cornell, donc à New York, il semblerait que la pire des raisons pour quitter quelqu'un, c'est que ta moitié te quitte pour aller se mettre avec quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment l'affront. Parce que non seulement tu ressens de l'abandon, tu te sens rejeté et tu vas te poser des questions en mode, mais qu'est-ce qu'elle a mieux que moi? Exactement. Qu'est-ce qu'elle a mieux de moi? Qu'est-ce qu'il a mieux de moi? Et tu refais le monde comme ça. Et il faut aussi savoir que pour 37% des Français, la première raison pour laquelle ils se quittent, c'est parce qu'ils n'ont plus de sentiments l'un pour l'autre. Donc voilà, ça c'est important de le faire. Et en plus, on peut se quitter aussi. Voilà, on peut se quitter par appel, on peut se quitter en face-to-face, mais on peut aussi se quitter par SMS. Ah ah, donc la question elle arrive ici. Qui s'est déjà fait têche par SMS? J'aimerais savoir qui s'est déjà fait têche. Pas moi. Hein. J'ai la chance de ne jamais avoir vécu ça. Voilà. J'ai la chance. C'est comme si tu te fais têche, non? Ouais, en gros, mais c'est pas par SMS. C'est pas? Mais c'est pas par SMS, mais justement, en parlant de ghosting, je sais pas si je peux y venir. Vas-y, tu peux. Mais qui s'est déjà fait têche par SMS avant que Winnie continue avec le ghosting? Dites-le-moi dans les commentaires. Après, je vais continuer avec un petit truc qui est trop marrant. Alors ici, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu vois, on parlait de physique. Il y a Thaï qui nous dit « J'ai vomi, j'ai perdu l'appétit, j'ai eu des nausées, etc. pendant des semaines. Je suis passée par là, moi aussi. Franchement, après une rupture, j'avais perdu du poids. Tu sais, j'avais vraiment genre la gorge nouée, impossible de faire passer de la nourriture, tu vois. Même si je voulais, ça passait pas. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Le jour où mon ventilateur me quitte, je meurs. C'est vrai qu'en ce moment-là, on a tous une relation amoureuse avec les ventilos, la clim, etc. Attends, il y a l'ODLB qui dit, bon, trois petits points, j'ai absolument fait tout le contraire de ce que tu conseilles. Donc, tu parles de ce que Marie, elle a dit. Maintenant, je veux connaître ton histoire, je veux savoir ton histoire et je veux aussi savoir, les sexolars, si vous vous êtes déjà fait têche par SMS ou pas. Dites-le-nous dans les commentaires. Ici, les filles, elles ont dit non. Les filles, je vous crois. Tu nous crois que non. Mais Queenie, tu nous crois, parles... merci Maxi. Ben, je sais pas, peut-être vous merci pas de me croire. Non, par SMS. On a d'autres histoires, moi, je trouve qu'il y a pire que par SMS. Par mail, t'imagines, tu reçois un mail de rupture, moi je trouve ça c'est pire. Imagine.
Ah, c'est le ghosting. Le ghosting, pour moi, c'est vraiment, c'est tellement lâche. T'as même pas de news de la personne. T'appelles, et puis au moment qu'il fait « Ah ben, il m'a ghosté ». Eh ben, justement, le ghosting, y a beaucoup de gens qui utilisent cette méthode pour pouvoir quitter quelqu'un. Et selon le sociologue Michael Dandrieu, il dit que c'est le meilleur moyen d'empêcher la personne que tu quittes de passer à autre chose. Il dit que le ghosting, c'est vraiment la chose à ne pas faire parce que quand tu vas quitter quelqu'un en ne lui donnant plus de nouvelles, en fait, tu vas te transformer entre guillemets en fantôme pour cette personne. C'est son nom, c'est ce que j'allais dire. Et un fantôme, il te hante. Un fantôme, il quitte pas les murs, il reste toujours là. Et en fait, ça revient à peu près à mettre la relation en pause. Et donc, pour la personne, c'est un peu comme si ça peut repartir à tout moment. Et donc, tu laisses toujours cette personne dans une situation où elle se dit que ça peut repartir, elle ne comprend pas. Alors que si tu veux quitter quelqu'un et que tu veux permettre aussi à cette personne de pouvoir passer à autre chose, il faut mettre des mots sur la rupture pour que la personne puisse comprendre et passer à autre chose, parce que le ghosting va vraiment laisser la personne dans une situation d'incompréhension totale. Et comme il disait, le fantôme, il va te hanter, il va pas partir. Et toi, tu te dis que ça peut repartir à tout moment. Dès qu'il va t'envoyer un message ou dès que tu vas le voir quelque part, tu vas dire, ah, il y a peut-être moyen que ça reparte. Et donc ça, c'est vraiment la pire chose à faire, justement, le ghosting. C'est bien que tu dis ça, Queenie, parce que je sais pas si tu connais la page Instagram qui s'appelle Tège par texto. T'en as déjà entendu parler? J'ai déjà vu. Et vous en avez déjà entendu parler? Plusieurs posts. Alors, si jamais vous êtes curieux, allez voir cette page Instagram. En gros, on a juste pris ici 3 screenshots des meilleurs parce qu'il y a trop de perles. En vrai, on va les lire ensemble, hein, parce que c'est un truc de ouf. En gros, ça reprend des screenshots de gens qui se sont fait tège par texto. C'est pour ça que je vous pose la question. On a ici, quand serais-tu libre? Pas aujourd'hui, ni demain. Et qui sait de quoi est fait après-demain? Ah, ça fait le gros relou déjà. Tu sors avec quelqu'un et te répond ça, mais Ali, il y a de quoi pleurer. On peut passer au suivant, le prochain accusé. Je veux juste toi, Arf, je sais que je suis un super bon coup, tout ça, mais c'est pas marrant s'il n'y a rien de nouveau. Ma devise en ce moment, c'est pendant l'été, vive la nouveauté. Oh, l'enflure. T'en as d'autres, j'ai kiffé Max. Il y en a un dernier. Alors là, c'est ne me contacte plus. MDR, tu fais des phases, c'est quoi le souci? Tu ressembles pas aux photos, j'ai payé 27 euros de Uber pour rien, tu fous le seul. Investissement, retour sur investissement, zéro. Oh mon Dieu, ça c'est horrible, c'est trop méchant. Mais Marie, justement, est-ce que tu peux nous dire, on va passer au deuxième point Q, qu'est-ce qui se passe après une rupture? Mais certains sexolars nous ont déjà expliqué qu'après la rupture, voilà, ils ont eu des réactions physiques assez violentes. Pour certains, on s'en remet très facilement. Si tu as une rupture avec quelqu'un que n'aimais plus ou quelqu'un où tu savais que la relation allait finir à un moment, ça peut être beaucoup plus simple. Mais il y en a d'autres où la rupture, en fait, elle est très traumatisante, autant physiquement que psychiquement. Donc, et tu peux aussi adopter des risques, enfin des comportements à risque comme des comportements sexuels. Tu peux commencer à coucher à gauche, à droite sans protection. Même si tu couches avec en te protégeant, des fois c'est pas bon pour ton mental aussi de te dire bon, elle vient de me quitter ou il vient de me quitter. Voilà, je vais aller en bois, je vais coucher avec le ou la première venue. Des fois, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a des personnes qui se réfugient aussi dans l'alcool, c'est tout à fait possible, ou dans les autres drogues. Et il y a certaines personnes qui ont de la dépression, de l'anxiété, une grosse perte de sommeil, et certaines personnes aussi ont des crises d'angoisse. Par exemple, je me rappelle d'une amie qui venait de casser avec son copain, il venait de lui annoncer au téléphone, elle a commencé à avoir du mal à respirer, elle a commencé à trembler, parce que voilà, pour elle, c'était un vrai choc physique. Donc quand on dit que tu as fini la relation, c'est bon, il t'a quitté, passe au-dessus. Non, les gars, c'est vrai, on comprend la souffrance, elle est vraiment là. Et il y a un article de Marie-Claire qui m'a vraiment intéressée parce qu'il parlait d'un livre d'une autrice qui est psychologue. Elle a écrit, le livre, il s'appelle « Il m'a tué ». Et c'est une histoire qui raconte l'histoire d'une grand-mère, d'une fille et de leur petite fille. Et chacune a terminé, s'est suicidée. Chacune s'est suicidée et donc, elles se sont suicidées à cause des hommes de leur vie. Et il y a une citation qui est vraiment super bien dite. C'est mis l'homme de leur vie, en fait, c'était l'homme de leur mort. Et c'est un récit horrible. Autobiographique sur sa famille. Donc, elle a essayé de vraiment décortiquer quelles étaient ses relations qu'elle avait avec ses hommes. Donc, il y en a une qui s'est suicidée, il y en a une autre qui est morte d'une autre façon. Donc, c'est 3 morts différentes, mais toujours à cause du mari. Et elle parle aussi du désir de certaines personnes de vouloir se retirer la vie après une rupture. Et donc elle cite « Le désir de mort n'est pas dû au chagrin d'amour, mais au désespoir. »
La rupture, c'est terrible, mais ça fait grandir, ce qui est vrai. On fait un travail de deuil et on retrouve sa capacité à aimer. C'est le désespoir qui met en arrêt, qui pousse à vouloir mourir. Et donc, pour certaines et certaines personnes, le ou la partenaire qui s'en va, en fait, il l'emporte avec elle, ce désir de vivre. Et c'est tellement vrai pour beaucoup de gens qui n'ont plus aucun désir de vivre à la fin d'une relation. Et il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire du chantage en disant, voilà, si tu me quittes, je vais prendre ma vie, je peux plus vivre sans toi, donc il faut que tu restes, il faut absolument qu'on reste en couple. Ça montre en fait une faiblesse qui était déjà là avant que vous vous mettiez en relation. Donc c'est vrai que c'est dur, mais il faut essayer à ne pas céder à ce chantage, de se dire, on a le droit à la rupture. Tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne te rend pas heureux ou heureuse. Essayez de mettre en relation cette personne avec un psychologue ou une ligne de SOS suicide, mais surtout ne pas s'en vouloir, parce que ce n'est pas de ta faute si la personne veut se suicider, si tu t'en vas, même si la douleur peut être réelle. Ça, on n'enlève pas. Alors Marie, souvent, comme tu disais, quand on parle de rupture, on va se mettre du point de vue de la personne qui est quittée, de sa douleur, du fait qu'elle a du mal à passer à autre chose, mais on oublie parfois le point de vue de la personne qui, elle, a quitté, parce que ça peut aussi être difficile de quitter quelqu'un. Et justement, on a avec nous Priscilla, je ne sais pas si elle est là, Pris, est-ce qu'elle est là en ligne? Oui, allô Priscilla. Allô, tu es dans un décor assez champêtre, tu nous donnes envie d'aller dehors. Alors, Pris, c'est une jeune maman de deux enfants, elle a 28 ans et elle, après 12 ans de relation, elle a décidé de quitter son mari. Alors, on a souvent l'impression que quitter, la personne qui quitte, pour elle, c'est facile, mais est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, c'est vrai que ça va peut-être être un peu cliché, mais c'est pas facile, parce qu'en fait la personne qui part, c'est une personne qui est non seulement stressée. Maintenant, je vais pas me victimiser, c'est clair que quand tu choisis de quitter quelqu'un, forcément c'est toi qui décides de partir, c'est l'autre qui souffre le plus, on va dire. Mais c'est pas une situation aisée forcément, parce que c'est quelque chose qui te stresse déjà depuis très longtemps, tu y réfléchis, c'est pas un coup de tête, c'est pas sur un coup de tête quand tu restes 12 ans avec quelqu'un, que tu as des enfants avec quelqu'un, c'est pas un truc de gaieté de cœur qui se fait comme ça du jour au lendemain, tu vois. Et donc c'est une situation qui est vécue quand même assez douloureusement, c'est un genre de deuil qu'on fait au final. C'est un deuil de son couple, c'est un deuil parce que t'as pas réussi. Tu sais, quand tu te maries pas à la base pour te dire, écoute, après 12 ans, je me sépare, quoi. T'espères quand même que c'est quelque chose qui dure jusqu'à la fin de ta vie. Et au final, quand tu te rends compte, t'arrives à la séparation, c'est que tu te rends compte qu'il y avait plus moyen d'aller plus loin et que le bonheur était pas au rendez-vous, ni pour l'un, ni pour l'autre. Parce que je pars du principe que c'est pas un gentil, un méchant. Il y a des torts partagés, il y a des situations vécues des deux côtés. Il faut pouvoir faire la part des choses, tu vois. Mais non, c'est pas une situation facile à vivre. Et justement, qu'est-ce qui a été le plus dur dans le fait de quitter après 12 ans une personne? C'est quoi le plus dur? Le plus dur, évidemment, quand il y a des enfants, c'est vrai que c'est une situation qui est conflictuelle par rapport à toi-même, par rapport à ta foi peut-être, par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été construit ensemble. Et donc, c'est vraiment, et puis c'est quitter l'autre, c'est toute une vie, tu sais, quand t'as passé, enfin, tu connais quelqu'un, t'as certaines habitudes, t'as été avec une personne, voilà, vous avez une routine, on va dire, qui peut être positive comme négative, mais c'est pas évident. Et ce qui a été plus dur, je pense, c'est vraiment expliquer ça aux enfants et se dire que tu leur prives un peu de leur père, quoi. D'une certaine manière, tu casses cette relation de famille de base qui était idyllique, papa, maman, les enfants et tout va bien dans le meilleur des mondes pour eux, pour une situation qui devient papa chez lui, maman chez elle, et puis on essaie de se partager la garde, en faire le moins de tort possible aux enfants, en essayant de rester cordial, en restant correct l'un avec l'autre. Je pense que c'est quand même important. Mais c'est pas une situation facile à vivre. Ici, dans les commentaires, Priscilla, on dit « tu as trop raison » et on a dit « t'as raison, faut pas faire lèche-cucu ». En mode « si, il faut partir ». Et le regard des autres... Vas-y, Marie, dis-moi.
J'avais une petite question. Lorsque tu dis que il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, est-ce que tu n'as pas eu peur d'être vue comme justement la méchante, vu que c'est toi qui as pris l'initiative? Ben c'est clair que pour la plupart des gens, t'es vue comme une méchante, forcément. Tu vois, surtout pour les personnes qui sont dans le jugement, je pense, des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, qui pour eux, voilà, c'est tout est blanc, tout est noir, et t'as pas de demi-mesure. Donc forcément, t'es vue pour une méchante parce que tu quittes l'autre, et surtout point de vue de la famille de l'autre, en fait, tu vois. Les amis, etc. Bah, vous aviez eu des amis en commun. Sur 12 ans, ces amis, c'était devenu mes amis aussi. Et donc, au final, c'est un peu, t'es un peu le cul entre deux chaises et tu te dis, est-ce qu'on est toujours amis? On n'est plus amis? Est-ce qu'on peut se parler franchement? Voilà, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais est-ce que tu fréquentes toujours ces mêmes personnes ou t'as dû même te reconstruire, aller au niveau amical et aller trouver des nouveaux amis ou pour toi, tu t'en fous et voilà, c'était tes amis, ils vont rester tes amis? Il y a certaines personnes avec qui je suis restée en contact parce que il y avait une relation profonde, donc qui était un peu plus complète que simplement être son amie, et d'autres personnes avec qui j'ai plus de contact parce que forcément c'était un lien, c'était plus ses amis à lui. Maintenant, je t'avoue qu'il y en a pas énormément. Ceux qui sont restés, on va dire, neutres, sans l'aide vraiment, c'est plus des personnes matures, des personnes qui ont eu du vécu et qui peuvent comprendre qu'une relation, c'est quelque chose, ça va, ça vient, mais ça change pas la personne que tu es au fond. Tu vois. Et moi, j'ai cette question. Est-ce que quand tu quittes quelqu'un, toi aussi, tu passes par un chagrin d'amour ou alors pas du tout? Le fait de quitter quelqu'un, comme je te l'ai dit au début, c'est un deuil, en fait. C'est un deuil de ta propre vie d'abord, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu as rêvé avoir et faire. Et forcément, t'as un chagrin parce que tu te dis, merde, quoi, j'y suis pas arrivée. Peut-être que certainement, j'ai des torts aussi. Je suis pas parfaite, mais j'aurais souhaité que ce soit mieux. Et tu te sens mal, tu te sens mal dans ta peau parce que tu te dis, pourquoi ça foirait pour moi, pourquoi ça marche pour d'autres, tu vois. Voilà. Et est-ce que ton ex a eu ce comportement, essayé de te récupérer, etc., essayer de te faire hésiter, justement, si oui, comment t'as réagi par rapport à ça? Mon ex, en fait, parce qu'en fait, on a eu un petit break avant, donc quelques années auparavant, on a été séparés quelques mois, et puis on s'est remis ensemble pour retester, réessayer, justement, donc c'était un peu cette histoire de se dire, peut-être qu'en se donnant une deuxième chance, peut-être qu'avec tout ce qu'on s'est dit avant, ça permettra de pouvoir partir sur des bonnes bases et essayer de bien faire les choses cette fois-ci. Et quand, après tout, tu te rends compte que malgré tout, les choses ne s'arrangent pas et ça va pas et tu changes pas quelqu'un. Je pars du principe que t'essayes de changer quelqu'un, mais c'est pas possible. Une personne, elle est ce qu'elle est. T'as beau faire des efforts que tu veux, tu chasses le naturel, il revient toujours au galop. Et c'est jamais évident à vivre, mais... Et donc, quel est le conseil? Non, t'as répondu à la question. Mais moi, la réponse que j'aimerais avoir de toi aujourd'hui, pour toutes les personnes qui aimeraient peut-être sortir de relations dans laquelle ils aiment toujours la personne, mais ils voient que... Enfin, ils ont peut-être des sentiments, mais ils voient que c'est pas possible de continuer comme ça. Tu es passé par quel questionnement pour te dire, c'est bon, je peux plus continuer, c'est mieux qu'on arrête là, parce que je serai plus heureuse, il sera plus heureux en dehors de ce couple. Quelle question est-ce que tu t'es posée Les questions que je me suis posées, je pense, c'était d'abord, est-ce qu'il y avait plus de points négatifs que de points positifs? En soi, pas forcément des critiques par rapport à l'autre, mais comment est-ce que je vivais la situation? Dans un premier temps, franchement, je vous avoue que je me suis mise entre parenthèses, je me suis dit, écoute, il y a des enfants, reste pour eux, quoi, tu vois, parce qu'ils n'ont rien demandé à personne. Et je rentrais dans cette situation, dans cette routine de me dire, ok, ils sont là, vis la situation, vis la vie et continue comme ça. Et puis quand ils seront grands, et puis on verra bien. Mais le problème avec ça, c'est que tu t'oublies et tu changes. Tu te rends compte que, tiens, je suis plus aussi spontanée qu'avant. Tiens, je suis plus aussi souriante qu'avant.
tiens, je commence à être aigrie, je commence à être jalouse des autres, je commence à, tu vois, avoir le mal partout. Et au final, c'est simplement parce que t'es pas heureux. Mm-hmm. Et quand t'es pas heureux, bah, tu rends pas l'autre heureux non plus, tu vois. L'autre en face de toi, bah, tu vois qu'il est plus le même non plus. Tu vois qu'il pourrait être plus heureux et qu'il est aussi malheureux. Donc, c'est une situation, même si l'un des deux peut-être s'en rend plus compte et prend les devants en cassant la relation, l'autre, peut-être dans le déni, ne préfère peut-être, ou n'est peut-être pas arrivé à cette phase encore. Mais l'autre a besoin peut-être de plus de temps. Donc, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je continue comme ça? Ou est-ce que je décide tout simplement de pouvoir stopper la relation là et de le libérer, entre parenthèses aussi, parce que après 12 ans, tu connais quelqu'un, tu vois, tu sais que, à un moment donné, enfin, moi, c'était mon premier, j'avais 15 ans, tu vois, donc j'étais très jeune, j'étais une autre personne de celle que je suis maintenant, tu vois. Donc, ça a été un changement, une évolution, et à un moment donné, tu te dis, ben, tu vois bien qu'il est pas heureux non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble et on est malheureux tous les deux, ouais, ou pas? Est-ce que lui, après un certain temps, il a compris ta décision? Est-ce qu'il t'a dit merci, c'était mieux comme ça ou pas du tout? Je pense que le merci, on n'y est pas encore. Mais on se parle cordialement par rapport aux enfants. On parvient à pouvoir discuter, on s'aide même sur certains trucs par rapport à mon travail. C'est co-parenting, ça. Voilà, ouais. Mais même plus que ça, même par rapport à... au travail, tu vois, quand j'ai des trucs par rapport à son travail, ben voilà, je l'appelle, je lui dis ouais, tiens, ben j'ai vu ça pour toi, ce serait cool et tout. Et lui, pareil, il me dit ouais, tiens, j'ai une proposition. On arrive à pouvoir s'entendre malgré que c'était pas ça au début, tu vois. C'était pas tout rose au début, mais je pense qu'à un moment donné, on arrive au fait que quand on a pu se parler, parce que quand on s'est séparé, on s'est vraiment parlé sincèrement et je lui ai dit bah écoute. C'est pas que je vais te dire oui, t'es mauvais, t'as fait ci, t'as fait ça, machin et tout. Oui, il y a eu des choses que t'as faites qui font que c'est l'effet papillon, ce qui font que voilà, je suis arrivée là où j'en suis et que je m'en suis rendu compte que la vie était pas toute rose. Mais au final, on parvient à pouvoir s'entendre maintenant. On arrive. Amen to that. En tout cas, merci pour ton témoignage, Priscilla. Et ça fait du bien d'avoir aussi le point de vue de la personne qui a quitté, qu'on diabolise souvent, et de voir que c'est pas toujours aussi facile de quitter quelqu'un. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite une bonne continuation et beaucoup de bonheur dans ton futur, et qui sait, de retrouver l'amour. Amen. Si c'est pas déjà le cas, on sait pas. Ah, on ne nous dit rien. On ne sait pas. En tout cas, merci pour tout, Priscilla. Merci les filles, merci. En tout cas, votre émission, elle déchire. Vous êtes merci. Ça fait plaisir de vous écouter. Plein de bisous, plein de love. Gros bisous, et continuez comme ça. Merci. Bisous. Bye bye. Franchement, ce qu'elle a dit, c'était super intéressant. En plus, elle a parlé du chagrin d'amour et moi, ça m'a fait écho parce que, enfin, il reste plus beaucoup de temps, mais je vais vous dire ça très vite. En gros, moi, quand j'ai, la première rupture que j'ai connue, c'était il y a bientôt 2 ans maintenant, et j'ai perdu du poids sans m'en rendre compte parce que, comme je vous ai dit, le psychique et l'émotionnel, c'est fortement lié, tu vois. Donc, tu te rends pas compte que tu manges pas et j'ai perdu 5 kilos juste comme ça. Et ça m'a fait penser à un cliché. On dit tout le temps, ouais, Bridget Jones, t'as une rupture d'amour, t'es là. Tu fais que manger de la glace et tout, tu t'empiffres et tout, mais la vraie question, c'est est-ce que le chagrin d'amour fait vraiment grossir? Eh ben, c'est plutôt une fausse idée, quoi. Moi je suis totalement d'accord avec toi. Moi, à chaque rupture, on dirait que j'en ai eu 1000, mais c'est perte de poids, j'arrive pas à manger. J'ai pas eu 1 milliard de ruptures, les gens, je vous rassure. Mais je suis d'accord avec toi, Maxime. Moi, j'ai ce côté perte de poids. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont avoir une boulimie, dépression, on va dire, quand ils sont pas bien, ils vont manger plus, mais moi, c'est plutôt le contraire. Je sais pas pour Marie. Moi, j'écoute des chansons très tristes. Là, franchement, ça, c'est mon genre, ça. Ça, je suis d'accord. J'entretiens mon chagrin, bizarrement. Je sais pas, tu vois, on a ce côté, on a envie d'entretenir un peu le chagrin amoureux comme ça. Ah non. Ici, on n'entretient pas le chagrin. Ici, on veut surtout se remettre d'une peine de cœur. Donc, Marie, comment est-ce qu'on fait pour éviter que Queenie entretienne son chagrin? Et pour les sexelards aussi qui sont dans le genre, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour reprendre la patate et aller mieux?
Alors les gars, vous vous êtes fait larguer, c'est pas cool, on le sait, on est toutes passées par là. Et même si tu as largué une autre personne, en fait, mon plus gros conseil et le plus cliché vraiment de tous, c'est de te donner du temps. Enfin, c'est un peu bateau, mais c'est la vérité. Tu te donnes du temps, tu apprends à te connaître toi-même et tu fais ton deuil, comme Priscilla l'a dit durant la conversation. Donc si tu veux être triste, sois triste. Si tu veux te retrouver, partir, voyager, se retrouver un peu... Je sais que beaucoup de personnes sont accompagnées de leurs amis et c'est très bien parce que l'homme est un être social. On a besoin de ces liens-là. Mais aussi, quand tu es en couple depuis longtemps et que tu passes beaucoup, beaucoup de temps avec cette personne, des fois, tu peux tendre à t'oublier. Et donc, il faut faire des trucs pour te retrouver toi-même, avoir des petites passions, etc. Mais si ce conseil ne te suffit pas, il y a une expérience qui a été faite et publiée en 2017 par l'Université du Colorado, là où ils ont démontré que la douleur qui est liée à une rupture, elle pouvait diminuer grâce à l'utilisation d'un placebo. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une cinquantaine de personnes dans un laboratoire. Et voilà, des cinquantaines de personnes qui venaient d'être quittées, qui étaient vraiment en pleine crise de rupture. On leur a donné du spray nasal. Et à la moitié d'un groupe, on leur a dit, voilà, ce spray, en fait, c'est un spray qui va faire disparaître son sentiment d'abandon et va vous faire revivre. Et à l'autre moitié, on leur a dit, en fait, c'est que du spray nasal, enfin, ça marche pas du tout. Et ils ont remarqué, après quelques semaines, aux personnes à qui ils avaient fait prendre le spray nasal et à qui ils avaient dit c'est un vrai médicament contre le chagrin d'amour, ça avait marché. Donc, placebo. C'est-à-dire que si tu veux vraiment... C'est un placebo. C'est, si on te fait croire que tu vas aller mieux après la prise de ce médicament, ça va beaucoup mieux. Mais je peux comprendre que les gens y aient cru juste pour la partie « j'essaye de m'accrocher à quelque chose qui peut me sortir de cette vague négative », on va dire. Ben c'est ça, c'est ça. Et en plus, ils ont fait des IRM sur les cerveaux de ces personnes. Donc, on leur a donné la photo de leur ex. On leur a dit, bon, regarde la photo de ton ex pendant quelques minutes. Et puis, ils ont fait un scan. Ils ont vu que les zones activées du cerveau, c'était celles de la douleur. Et puis, ils leur ont attribué une douleur dans le bras gauche. Ils ont refait un IRM et ils ont vu que c'était les mêmes zones. Donc, ça veut dire que quand tu as mal au cœur, après une rupture, en fait, tu ressens la même douleur qu'une douleur, une douleur physique. Mais c'est ça, hein, comme Maxime disait, donc, le physique et le psychique. Ouais. Exactement, et c'est prouvé par la science. Donc vraiment, les ruptures peuvent démonter une personne, l'amener à une dépression ou même plus grave, des personnes qui ne s'en remettent jamais. Complètement, moi je suis totalement d'accord à toi. Alors moi je propose, il nous reste plus beaucoup de temps de passer au Ducky Style. Il nous reste 4 minutes, on va jouer un petit jeu. C'est un petit vrai ou faux pour voir si vous avez les astuces pour vous remettre d'une rupture et surtout si vous avez bien écouté l'émission. Alors est-ce que vous êtes ready pour le Ducky Style? On est prêt. Alors la première question, c'est le chagrin d'amour. Donc le chagrin de la rupture ressemble fortement à celui du deuil, vrai ou faux? Moi, je connais, mais je ne vais pas dire. Je veux que les sexolars répondent. Alors, les sexolars, dites-nous, le chagrin de la rupture ressemble fortement à celui du deuil, vrai ou faux? Non, en fait, je ne connais pas, je vais dire faux. Tu dis faux? Faux. Ça ne ressemble pas à celui du deuil? Tu dirais que ça ressemble à quel type de chagrin, toi? Je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi. Bon, vrai ou faux, mettez seulement vrai ou faux, si vous êtes team faux. Allez, on peut voir des commentaires, là, vrai ou faux, est-ce que le chagrin d'amour ressemble fortement à celui du deuil? Alors, il y a Perneil qui nous dit oui, il y a Alison Sweetie qui nous dit vrai, il y a Midas qui a mis un F, je suppose que c'est pour faux, oui. Louis Cornic qui nous dit que c'est vrai, Agnel qui nous dit que c'est vrai, Masca aussi dit que c'est vrai, et vous avez totalement raison, en fait, une rupture, en fait, c'est un deuil relationnel, Priscilla l'explique. Marie l'a expliqué aussi, et c'est tout à fait normal de passer par une période de grande tristesse. Pour espérer aller bien un jour, il faut pouvoir accepter d'aller mal, et donc c'est ça un petit peu le deuil à faire. Il faut pouvoir faire le deuil aussi de tous les espoirs. Tu sais, Pris, elle l'a clairement bien expliqué, de tous les espoirs, tout ce qu'on avait par rapport à une rupture. Alors on passe à la deuxième question, il nous reste 2 minutes. Pour passer à autre chose, il faut tenter de comprendre les raisons de la rupture, vrai ou faux? Donc, pour passer à autre chose, il faut tenter de comprendre les raisons de la rupture, vrai ou faux. C'est faux parce que si, des fois, tu n'as pas de réponse et tu n'auras jamais de réponse. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu restes sur place pendant des années
on avance. Toi, tu dis que c'est faux. Oui, mais des fois, tu peux réfléchir à ton comportement. Je pense que c'est ça que Queenie dit. Tu peux réfléchir à ton comportement. Ok, par rapport à soi, oui. Alors, si c'est comme ça, je dis vrai. Pour tenter de comprendre les réponses. Par rapport à l'autre, je dis faux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires ? On nous dit vrai, faux. Eh bien, en fait, c'est totalement vrai. Il faut essayer de comprendre les raisons. Alors, parfois, on a l'occasion d'être encore en contact avec la personne avec qui on était. Et donc, on peut poser les questions, avoir des réponses. Mais parfois, on n'est plus en contact. Et là, alors, il y a une psychologue qui conseille de réécrire l'histoire, de la faire lire par quelqu'un d'autre et de pouvoir comprendre et mettre des mots nous-mêmes et essayer de comprendre par nous-mêmes. Pourquoi est-ce que ça s'est terminé ? C'est très important d'essayer de comprendre, parce que quand on n'a pas de réponse, eh ben on reste dans l'inconnu et ça continue à faire mal. Et donc voilà, il y en avait une dernière, mais je pense qu'on n'a plus le temps. On a vraiment plus le temps, c'est pas grave. On va se quitter, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi Sex and Sun. Vous êtes toujours là au front tous les dimanches de 20h à 21h. Très important, la semaine prochaine, c'est la dernière, les gars. Et vous avez carte blanche pendant une heure. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Et on va y répondre ou nous poser des questions et on y répond si on a la carte de cœur ou pas. Rigole. Et si vous avez d'autres questions, envoyez-nous les questions à l'avance. On fera un plaisir de les lire. Voilà, envoyez-nous à l'avance. Et soyez connectés parce qu'on va balancer full de trucs en story sur YouTube. Voilà. Prenez soin de vous. Portez un masque. Aimez-vous. Et voilà, bonne chance, bon soleil, bon bronzage. Bisous les sexolars. On se voit à 20h dimanche prochain. Sex.